Nous sommes sur le salon Inovia, sur le plateau télé de petiteentreprise.net, où je suis en présence de Pascal Krug et Thierry Salier. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes là pour nous parler de la société Idatech. L'année précédente, vous nous aviez présenté la Kickbox ici même sur le salon Inovia. Cette année, vous êtes labellisé pour cette innovation. Ben, rappelez-nous tout d'abord ce que fait Idatech. Alors Idatech, c'est une entreprise au départ industrielle qui faisait du papier, du traitement de chèques, de la numérisation. Et en fait, nous avons proposé Kickbox, qui est un concentré de notre savoir-faire pour les PME, les start-up, pour du site web, pour de la nouvelle technologie NFC, pour de l'impression. Et Idatech, c'est aujourd'hui une entreprise qui s'est diversifiée, qui fait du studio graphique, de la vidéo, du film, des développements d'applications, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle et de toute la technologie qu'on peut appeler du sans contact. D'accord. Pourquoi innover ? Innover parce que le papier, comme vous le savez, on en produit de plus en plus, les gens impriment de plus en plus, vous recevez de plus en plus de courriers dans la boîte aux lettres, c'est bien connu. Donc soit on continuait sur cette tendance, soit on innovait, et en fait on a simplement répondu aux attentes de nos clients. Ils nous disent il y a moins de papier, donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour communiquer? On fait de la vidéo, on est dans de la réalité virtuelle, et donc tout simplement innover, c'était une nécessité pour nous de nous diversifier, pour proposer, s'ouvrir à d'autres marchés. D'accord, et justement, quelles sont vos innovations? Donc aujourd'hui, effectivement, sur Inovia, on propose plusieurs innovations, notamment autour de la vidéo. D'accord. Donc aujourd'hui, on a fait du film en 360 degrés, okay, dans lequel on a incrusté du motion design avec notre équipe de studio graphique. Mmh. Et on propose ça autour des casques de réalité virtuelle, les Samsung Gear, pour permettre d'avoir une immersion complète de la personne et pouvoir proposer, par exemple, des visites virtuelles d'appartements, d'hôtels ou ce genre de choses. Et on a une deuxième innovation, toujours autour de la réalité virtuelle. Et là, on est plutôt sur ce casque-là de réalité qui est le casque de Microsoft, les HoloLens. Donc on est parmi les premières sociétés françaises à en avoir et à permettre de réaliser des développements informatiques pour pouvoir être à la fois dans la réalité et à la fois de pouvoir intégrer de la réalité augmentée dans ce monde. D'accord, très bien. Je vous remercie de nous avoir représenté Idatech et cette nouvelle innovation. Est-ce que vous avez peut-être un petit mot pour les personnes qui verront cette vidéo? N'hésitez pas à venir nous consulter. On a plein de choses qu'on n'a pas eu le temps de présenter et c'est toujours intéressant de venir nous voir. Très bien. N'hésitez pas à aller rencontrer Idatech sur le salon ou même en direct. Je vous dis à tout à l'heure pour d'autres interviews. Merci. Merci. Au revoir.